Salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et oui, vous l'attendiez, il est là, il est beau, il est fou, complètement fou. Enfin l'épisode de Black and White, je reprends. Après, moult péripéties qui ne sont toujours pas terminées. C'est pas grave, on va quand même continuer. Hein. Cette aventure sur Black and White, puisque beaucoup l'attendent, et c'est vrai qu'elle rencontre un certain petit succès depuis quelques temps, je sais pas trop pourquoi, mais enfin moi ça me fait super plaisir, et c'est bien pour un jeu comme ça qui mérite d'être découvert par qui mérite d'être beaucoup plus connu par tout le monde. Enfin bref, donc la dernière fois on avait terminé le royaume. Ah oui, petite précision, vu que avec mon récent problème de carte graphique, j'ai réinstallé Windows. Le fait est que comme le benet que je suis, j'ai oublié de prendre la sauvegarde que j'avais fait sur cet ordi. Juste la vidéo qu'on avait fait. Résultat, j'ai dû me retaper juste la fin, là, reprendre la ville. Donc voilà, j'ai fait la petite mission aussi avec le tonneau. Bon bref, voilà, je vous ai épargné les détails. Et donc on en est au même point et là j'ai sauvegardé. Bref, donc on était parti pour passer au royaume suivant. Juste petite info aussi, j'ai renvoyé ma carte graphique donc hier au SAV, donc elle devrait arriver dans la semaine. Il risque de mettre une semaine ou deux à la traiter, puis à la renvoyer au fabricant, c'est-à-dire gigabit, et dans un mois, trois semaines après, peut-être que je l'aurai, je sais pas, je suis pas sûr, c'est de 4 à 8 semaines, donc bref, ça peut varier. Donc c'est parti. Il nous reste Cliquez à nouveau pour confirmer. Il nous reste des objectifs, mais pour le nombre de points de refrain qu'ils valent, ça sert un petit peu à rien. Ils sont en déroute. Allons, boss. On passe au royaume suivant pour les achever. Ah ouais, on va enfin niquer les Japonais. Sauf que cette fois, on aura les deux côtés, c'est-à-dire le frère Soumi. Et le chauve, c'est-à-dire côté constructeur et côté militaire. Donc ça va être hyper dur. Alors, 99% maléfique, ça c'est ce qu'on aime. Monde, prestige, bon ça on s'en fiche un petit peu. C'est pas productivité 5. Bah, dis donc, c'est pas très élevé. Hein. Pas beaucoup de croissance. Hein. Ouais, on a pas mal de trucs, ouais, génial, génial, génial. Et enfin, créature, c'est ce qui nous intéresse le plus. Elle a que 9 ans, et je sais pas si vous avez vu, ça fait peut-être un petit moment, mais c'est un véritable tas de muscles, hein. C'est musclore, hein. Elle est ogémisée, notre vache, hein. Elle est complètement ogémisée. Elle a du muscle qui ressort de partout. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez choquant. On peut voir qu'elle a pris pas mal, on a pris pas mal, 100%. Muscle final 99, ouais, elle a au maximum de sa musculature. Voilà, donc c'est parti. Chargement de l'infini pour passer au royaume suivant. Et donc il nous en reste, il me semble, 3, ouais, 3 avant la fin. Et donc je précise que je ferai une autre, une sorte de deuxième saison, mais du côté du bien cette fois, avec une autre créature. Les Grecs se renforcent pour affronter l'aura. Ah bah ils ont pas peur, ouais, ils sont au-dessus d'une falaise. Ils sont aidés par les dieux. Mais la prophétie affirme qu'ils se soulèveront contre ceux qui ont voulu les éradiquer. Tout à fait. S'ils sont capables de nous battre, nous serons bien obligés de nous mettre à leur service. Tes paroles ne sont pas dénuées de sens, frère. Nous avons vu ce dont les Grecs sont capables, mais nous devons tout d'abord venir battre. C'est là qu'on va pouvoir achever les Japonais. J'en ai vraiment ras le kimono de ces deux frères. Ah, moi aussi. Mon frère n'est pas un bâtisseur. Il préfère la destruction. Ah, prenez garde. Prends garde. Mais il va voir ce qu'il va voir, lui. On va leur enfoncer la tête dans le sol. Oula, j'ai peur. Ils sont désarmés. Ils cherchent des miracles pour faire le ménage. On va s'éclater. Ah, je confirme. Oh, quel beau sourire à la caméra. Les Japonais sont désespérés. Ils n'hésiteront pas à en premier. Oh, la violence. Oh, la violence entre les anges et le diable. Oh là là. Oh là là. Ah, et enfin, un nouveau royaume.
Ben putain, ça faisait longtemps on l'attendait. Voyons, on est plutôt sur une île semi-désertique avec des palmiers. Mais on va avoir du fil à retordre. Hein. Ils vont nous causer beaucoup de fil à retordre, les... Les japonais, les deux frères, là, les deux frangins qui étaient ici, il me semble, qui ont disparu. Et donc on a déjà des troupes japonaises amassées devant notre ville, enfin notre avant-ville. L'autre qui est déjà en train de pioncer avec la poupée vaudou en face. Ah, elle a une tête assez marrante, la poupée vaudou. Bref, dépêchons-nous au lieu de dire de la merde. Alors, faut bien que je fasse gaffe. Donc je suppose que les zones fertiles seront ici, si je dis pas de conneries. On va faire confiance à mon instinct. Un hôtel, on va le faire là. Donc ok, on va directement faire des champs. Bah oui, c'est ça. Et l'autre, il va commencer à nous briser les cakes. Oh putain, je suis dégoûté. Pile dans la zone où évidemment j'avais dit que c'était fertile, mais ce n'est pas. Ah putain. Bon bref, c'est pas grave. Nous allons nous emparer de ces champs. Bah oui, vas-y. Fais ce que tu veux, Robert. Moi, je m'en fous. C'est sûr que je te les reprendrai après, donc quoique s'ils me prennent cette ville, c'est vrai. On va entourer la... On va faire un truc différent. On va entourer, parce qu'on va avoir besoin de nourriture. Pour faire une grande armée, on va vraiment avoir besoin de nourriture. Donc on met des champs vraiment partout. Là, ça va être zone agricole. Hein. Pas de place pour d'autres choses, pour l'habitation, je sais pas quoi. On va faire juste une zone avec des chemins. Oui, mais je viens de réfléchir à un truc, je suis un petit peu con. Parce qu'il faut bien que je construise pour étendre mon cercle. Bon, on va laisser ça. On va faire des maisons pour qu'ils puissent loger nos habitants. Voilà, ici. Ah ouais, carrément. Ah, il est comme ça, lui. Ah ouais. Ah, je pensais pas, mais bon. Moi, je trouve que c'est le plus gentil. Enfin, quoique, je devrais même pas dire ça, mais bon, bref. Donc, on construit des maisons. On va mettre vite fait... un enclos, bon elle a pas besoin d'enclos ma créature, c'est une fille folle. Non, on va pas mettre d'enclos, on s'en fout un peu de l'enclos. Ou alors on le mettra après, là on en a pas vraiment besoin. On va plutôt se pencher sur la construction d'un temple. Temple qu'on on va mettre ici. Ils s'accrochent à leur religion. Le s'accroche à une planche. Tout à fait, oui. Alors pourquoi il m'indique les actions bonnes ou mauvaises avec des good et des evil? Pourquoi c'est en anglais? Oula, par contre, putain, je sais pas pourquoi avec ma souris ça bug. Pourquoi il veut pas faire le chemin là? Ah, il est casse-pied. Pourquoi il veut pas? Mais qu'est-ce que tu me dis? Et il commence déjà à pleurer. Bon, bref, on verra ça après. Si. Ici je peux, ouais. Ah, là ça va me faire perdre de... Non, ça va me faire perdre de l'espace. Ok, je vais faire ça comme ça. On va en construire ici. Ici. Ouais, c'est un peu galère pour contrôler avec cette souris. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être dû à mon tapis de souris. Je vais tester sur le bois. Ouais, sur le bois c'est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus jouable. Ouais, quoique non, en fait j'ai de la merde, en fait non, c'est pareil. Nous disposons de bien plus. Bref, de c'est pas super précis quoi. Bien joué. Donc ce qu'on va faire, on va choper tout le bois qui est ici, ça nous fera... Eh merde, bisous. Oups, bah décidément je fais que des conneries. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer avec Fraps. Bon bah tant pis, vous aurez des petits lags. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, j'ai complètement zappé. Bon bref, c'est pas comme si ça vous dérangeait beaucoup. Enfin j'espère, hein. Sinon dites-le moi sincèrement, hein, que je règle ça parce que ça commence à devenir chiant. Donc, trêve de parole. Nous on veut de l'action. On veut pas que des paroles en l'air. D'ailleurs, est-ce que on va virer ce... Ouais, quoi qu'on va les garder, ça peut être un moyen de nous défendre ces rochers. On a fait... Un petit stock de nourriture. L'hôtel est en construction, il est bientôt terminé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du bois. Eh mais non. Mais elle est déjà partie. Bah, ça tombe bien, on a déjà un hôtel, on va pouvoir se défendre. Oh, oh le barbecue. Oh, c'est impossible. Oh. Et regardez ce tas de muscles. Eh, c'est pas beau ça? Ah, c'est bien. Regardez ce tas de muscles. Elle est juste parfaite. Elle a les proportions parfaites. Du muscle, du pec, hein, du biceps et des magnifiques cornes
qui sont très très pointues. Par contre, elle a pas changé de couleur encore. Ah, quoique, à l'arrière, pourquoi elle se retourne en même temps que... Ouais, quoique. Ouais, elle commence dans le dos, peut-être. Enfin, bref, elle sera bientôt devenue noire et avec les yeux rouges. Bref, en tout cas, eux, quand ils ont vu que j'ai pété, mais complètement leurs potes, ils se ramènent avec deux bataillons supplémentaires. C'est-à-dire deux de samouraïs et un de d'archers. Sauf que ma... Bah, ah, bah tiens, elle a ramené son ballon ici, en fait. Sauf que... Oh, le shoot. Putain, il vole pas... Il vole bien, ce ballon, hein, s'il y avait ça. On dirait le truc qui est sur la lune, c'est... Dans l'espace. Alors, me, tu vas aller t'occuper de ces espèces de clampins, là, parce que, bon, bref, elle fait ce qu'elle veut, déjà. Bon, ici, ça se construit pas. Ah, je peux pas choper cet arbre-là. Bon, je vais choper cela, alors. On va aider un peu à l'urbanisation, hein, à la construction de l'infrastructure. Ah oui, ça, c'est vrai. Il faut que je construise... Pardon, excusez-moi. Une garnison pour qu'on se fasse des hommes directs. Et d'ailleurs, je vais m'occuper tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je faillis à mes devoirs là. À faire des disciples. J'ai planté un arbre, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Je vais devoir créer des disciples reproducteurs, bien évidemment. C'est pour ça. On va faire des disciples bâtisseurs de même. Non, non. Il me faut juste quelques clampins. Voilà, on va faire. Disciples reproducteurs. Voilà. Disciple reproducteur. Là on a du disciple reproducteur, on va prendre 6 clampins pour disciple bâtisseur. Bâtisseur, comme ça on est sûr d'en avoir. Fermier, ils le feront automatiquement. Par contre, forestier, ça c'est important de le mettre. Donc on va le faire. Disciple forestier. Parce que comme ça ils iront loin pour chercher le bois d'ailleurs. Je crois. Et on va faire quelques adorateurs si j'en trouve. On va attendre que la population. Bon, quoique, non, c'est bon, on va faire 4 adorateurs. Disciple. Voilà, nickel, 4 adorateurs, ça devrait le faire pour avoir quelques pouvoirs. Et on va lancer garderie. Attends, on s'en fout de la garderie, moi ce que je veux. Ah merde. Ah bah d'accord. Oh bah, Meul, elle s'est déjà fait décaniller la tronche. Bon, elle s'est fait péter, hein, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, elle est morte dans une position assez chelou. Bref, aucun commentaire s'il vous plaît sur cette position dérangeante. Garnison. On va la faire là, c'est la classe. Yeah, sur la colline. Tac. Il faudrait que... Voilà, nickel. Bon, bah c'est bon, là, on commence bien. On est dans le... On va les aider à... Tac, 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 tac. On va faire un petit stock de nourriture avant l'heure. Comme ça, on sera pas emmerdé après. Tac. Mine de rien, ça... Ouais, ça monte plutôt vite. Je crois que là, j'ai mis la masse de champ. On devrait pas trop avoir de problème. On va mettre une garderie puisqu'ils y tiennent tellement. Sachant que mon but principal est de faire des guerriers le plus vite possible pour aller conquérir par exemple ce village là qui va nous fournir d'importantes ressources minières. Ce qui va nous être très 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 utile pour faire la masse d'armée pour aller déglinguer ces clampins. D'ailleurs, ici aussi, il y a un village à capturer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va urbaniser toute la zone là. Enfin, si on peut, hein, bien sûr. Sauf qu'il masse des troupes devant chez moi, donc ça va être chaud. Faut que ma créature, elle... Ah bah voilà. C'est bon. T'es revenu, me. Bon, bah non, tu vas pas faire le kéké, hein. D'ailleurs, j'avais pas vu... Je vais faire les remparts ici. Voilà. Les remparts ne nous arrêteront pas. Qui vont être construits, d'ailleurs, ici aussi. Voilà, nickel. On sera protégé, on va faire une double entrée. Contre ces Grecs. Ah merde. Ah bah tiens, il lance une attaque, donc on va envoyer me à l'attaque. Go. Envoie le pouvoir de la foudre à l'attaque. Oh putain, oh là il ramène de la catapulte. Ah par contre ils ont migré. Ah c'est bon, en fait le frère destructeur est plutôt ici. Donc c'est bon, ils arriveront vers le... Plus vers l'ouest. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain, ils ont pas compris le système. Au pire, je crois que... Et j'ai pas assez de... Et ils pètent des maisons, ils sont sérieux. Il est épuisé. Non, mais ce n'est pas une excuse. Oh. Oh, le coup de bide. Tu l'as senti, le coup de bide? Hein, le coup de bide? Non, j'arrive pas. Ah. Alastair Patterson, tu l'as senti, le coup de bide? Le méchant coup de bide. Et ils ont détruit des maisons.
trouble à l'ordre public, s'il vous plaît. Ça mérite, je sais pas combien de temps de garde à vue ou de prison, mais hein, c'est beaucoup. Je sais pas. Trouble de l'ordre public sur la voie publique. Voilà, c'est très très français et très vrai. Oh là là. Tant de violence. Mais qu'est-ce que c'est bon. il faudrait que j'installe... peut-être... Voilà, c'est impossible. Bon bah c'est bon, voilà. Il s'en meurt. Alors, eux, faudrait pas qu'ils se ramènent par contre. Apportez-moi le manuel de guerre. Mais oui. Je dois me renseigner sur la façon de combattre les créatures. Garderie. On va la construire d'ailleurs. Ils sont superstitieux, mais ils respectent leurs enfants. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que chez les Grecs, l'enfant est un symbole de durabilité. Voilà, c'est dit. Alors que c'est totalement faux, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça nous a libéré une zone plutôt conséquente. C'est plutôt sympathique. Par contre, il va pas vouloir me faire les chemins. Et je vous assure que c'est juste horrible de jouer avec... Alors que la souris est géniale sur les autres jeux, mais alors sur Black and White, c'est une horreur. Une horreur sans nom. Je vais peut-être lui faire... Ah, la garnison bientôt prête, on va faire des hommes. Bois nécessaire, il n'y a qu'à demander. Hop, on va aider. Tac. On va prendre ce bois-là. C'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit... Il y a plein de tas de bois dans ta ville et tout, le ramasse-les. Mais en fait, moi, j'y pense pas. J'ai l'impression qu'en fait... Que c'est pas beaucoup. Mais en fait, si. En général, c'est des tas assez conséquents. Mais vous voyez, moi, à chaque fois, je vois ça, tu vois. C'est que deux unités de bois, donc c'est... C'est pas grand chose, mais bon, c'est vrai que je devrais le faire plus souvent. Bref, on va attendre que la population soit assez conséquente et on va faire des mecs directement. D'ailleurs, je vais piocher. J'ai déjà des morts, d'accord. Là-dedans, tac, pour faire les maisons, voilà, pour... Et merde. Pour s'accroître un peu plus rapidement. Pour accroître la ville plutôt. Pour que la croissance soit positive. Pour que nous soyons dans une phase d'expansion économique. Bien évidemment. Et voilà. Et voilà, good. Alors je sais pas pourquoi ça a changé en anglais. Je... Oh! Oh la poupée vaudou! Oh, oh, magnifique. Là, vous êtes... Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle caresse la poupée et elle la jette. Et elle vole avec la queue. Ouais, c'est tout à fait logique, oui. Faudrait peut-être faire des disciples fermiers, quoique, je sais pas. Et on a combien de nourriture? 17 000. Bon, on est quasiment à la capacité maximale de l'entrepôt, donc je pense que c'est bon. Hein. D'ailleurs, on pourrait faire... Mais je comprends pas, il l'affiche pas. Bon, bref. Il y a combien d'enfants, là? 20. On est à taux de natalité max. Bon, la population devrait croître plutôt rapidement. D'ailleurs, est-ce que le temple est fini? Non, il faut du minerai, ouais. Et il faut plus de bois. On va aider à la construction du... Ah, par contre, le rempart, lui, est bientôt terminé. À l'inverse. Et d'ailleurs, j'ai vu que nous avions un peu de minerai. Ouais, 400 de minerai. Abandonné comme ça sur le sol. Avec ce qu'il y a dans l'entrepôt, on aura largement assez. Voilà, ben voilà, nickel. Un temple. Et je crois que nous avons accès... Pile. Ah! Si, on a accès. On a accès aux gros cailloux de minerai. Ça, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, ça augmente considérablement nos ressources en minerai. Mais on a quand même accès à la mine, il me semble. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va pouvoir faire des hommes. Désolé, je vous prends. Il me faut plus d'adorateurs. D'ailleurs, je vais commencer. Pardon. À faire des. Des fosses de torture et tout le bordel là assez rapidement. Puisque il nous faut du mana. Non mais j'ai pas besoin, je suis con. Bref. Tiens, on va finir les remparts nous-mêmes. Et toc, voilà, on va mettre une porte. Comme il faut. Alors, corps de garde. Voilà, c'est ça. Hop, voilà, la porte. Ils construisent des portes. Alors nous devrons les défoncer. Ben s'il faut sortir, trou du fion. Ah oh là là, putain, ils sont pas intelligents ces japonais là. Putain. Auberges ont été ouvertes. Notre peuple pourra s'y entraîner au karaoké. Au karaoké. Ah, ils pratiquaient déjà le karaoké à cette époque. Ah d'accord, je savais pas. Ah ben c'est bien de l'apprendre.
On va construire un moulin pour augmenter la productivité. Beaucoup de nourriture. Mais d'ailleurs, en parlant d'auberge, c'est pas une mauvaise idée. Hein. On va faire une auberge parce que... Bah oui. Laissez-nous boire, on fait ce qu'on veut, putain. On n'est même pas libre de faire ce qu'on veut, tu vois. Je construis une auberge, c'est déjà la mort, quoi. Je me fais insulter de partout. Hop. Et voilà. Un honorable grenier pour entreposer notre production de nourriture. Mais votre grenier, il est plus pourri que le nôtre, d'ailleurs. Faites-les goûter à la fureur de nos armées. D'ailleurs. Ah merde, par contre, ça c'est pas bon ça. Ils vont attaquer. Sauf qu'il y a une porte maintenant, ils sont obligés de faire le tour, ces espèces d'idiots. Enfin, normalement, je crois, hein, parce que, sauf s'ils sortent des pouvoirs surnaturels de la mort qui tue. Donc, ici, j'avais pas vu, on peut étendre la ville. On va faire des habitations. Voilà, là, c'est parfait. 2-3 villas par-ci, par-là. D'ailleurs, je vais aller faire un tour dans le shop des dieux, dans le shop des gods, dans le god shop, on va dire ça comme ça, pour voir si on a assez de poids d'offrande. Ouais, on n'a pas de poids d'offrande. Miracle de l'eau pour la créature, mouais. Pas trop besoin. Ouh, ça fait des trucs vraiment bizarres. Avec des couleurs très bizarres. Ouais, c'est parce que là, la carte graphique doit avoir un petit peu de mal à gérer la petite vidéo là. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pas envie que de la créature. Non. Ah voilà, là, j'ai mis tout secteur confondu. Alors, statut de fertilité. Bah ça pourrait nous être utile, tiens. Par contre, ça coûte 18 000. Bon, allez, on achète. Ça a pour but d'augmenter la natalité. Donc c'est pas mal. Hein. Nous, tout ce qu'on veut, c'est beaucoup plus d'hommes pour avoir... pour faire plus de guerriers quoi hein. D'ailleurs on va faire des bains. Non, on n'est pas aussi gentil. Météore 150 000. Ah oui, le météore, on va acheter le météore. Le pouvoir du météore, vous allez voir, c'est plutôt fun. Peut-être les remparts fortifiés, ça peut le faire aussi, ça c'est sympathique. On va le prendre et j'ai plus assez pour le gratte-ciel. Il me faut 5 000 et on pourra acheter le gratte-ciel. Ok, c'est noté. Bon ben voilà, on a fait les petites emplettes. Voilà, nickel. Et le pouvoir du météore, on le testera dès qu'on aura assez de mana. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais non. Adorateur. Adorateur. Ah, qu'est-ce qu'elle vient ? Elle vient de larguer un énorme cajot, elle. Mais regardez-moi ses muscles, ses pecs. Oh les pecs. Il y a du pec là, c'est... Oulala, saillant. Pec saillant, magnifiquement, luisant. Donc, on va faire des chemins ici. J'avais pas vu qu'on s'était étendu par là. Voilà, comme il faut. Ici, on peut pas construire. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour mettre des statues de fertilité. Enfin, qui encouragent la fertilité. Ça nous sera utile, voilà. C'est comme une lanterne, vous voyez, c'est tout petit. Et ça entraîne la fécondité, enfin ça augmente le taux de fécondité pour que la population augmente tout simplement. Déjà, on voit que la garderie est plutôt pas mal utilisée. Mais ici, ça aura pas trop d'impact vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations. Donc je vais plutôt le faire là. Mais d'ailleurs, je suis con puisqu'il n'y en a pas non plus ici. Donc... Ah merde. J'ai toqué à la porte, c'est pas ce que je voulais faire. Bah voilà. Bon là on n'aura pas fait grand chose dans cet épisode. Enfin. Putain, c'est vraiment un calvaire hein, avec cette souris, je vous jure, putain, je faut que je fasse quelque chose. Hein. Hop. On va relier tout ça. Voilà. Ok. Il y en a combien de temps? 24 000. Bon c'est bon, on a le temps. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais une espèce de lueur rouge continuelle sur cette île, c'est assez... Non, moi j'aime bien, c'est assez orangé. D'ailleurs, il est quelle heure? Ah, c'est bientôt la nuit. C'est bientôt la nuit. Bon, on va les aider à construire toutes ces baraques, là. Hop, tac. Parce que ça prend trop de temps. Ça, c'est le grenier. Non, c'est... Ouais, c'est le grenier, c'est ça, ouais. Enfin, le moulin. Et un moulin. Yeah. Content de la manière dont la situation tourne.
ça va. Notre ville s'étend plutôt bien. J'aime bien le... Ouais. J'aime bien le... La ville est plutôt sympathique, là. Même si c'est pas vraiment mon but de faire des trucs... Des trucs jolis, attirants, pour que les autres tribus immigrent. On fera ça plutôt dans l'autre série de vidéos où je ferai le bien. On fera on essaiera de faire des villes jolies, attrayantes, avec des universités, des amphithéâtres, pas mal de loisirs. Enfin, vous verrez ça plus tard. Là, ce sera tout bleu et pas tout rouge et tout noir et tout pas beau, avec des cris et des pleurs et des gens qui souffrent. Ah là là. On fera le bien et non la violence. Ah, c'est tellement beau et poétique. Et voilà, tac tac tac. Ok, bon, on va pouvoir continuer, c'est bien tout ça. Bon, par contre, j'ai mis aucun disciple fermier. Dédié aux prières des Japonais vient d'être inauguré. Ouais, ben moi ça fait longtemps qu'il augurait pour les Grecs, hein, Michel. T'as un petit temps de retard. Attends, d'ailleurs, en parlant de Grecs, ça fait un petit moment là que Rome 2 Total War est sorti et je compte me l'acheter bientôt. Hein. Enfin, bientôt. Quand je dis bientôt, je compte me l'acheter tout court. Je sais absolument pas quand, mais je compte me l'acheter. De même que GTA 5. Parce que là, bon, par contre, GTA 5, je vais attendre que ma carte graphique soit revenue et là vous allez voir que peut-être que je ferai deux vidéos, mais je sais pas comme vous voulez, mais là je vais pouvoir m'amuser à le faire tourner. Enfin, ça va être sympa, même si je suis absolument pas un joueur de GTA, enfin à la base, on va dire. J'aime bien de temps en temps, mais bref, cessons de parler de GTA, ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est beau tout ça. D'ailleurs, ils sont toujours... En fait, ils foutent rien, en fait. Ils mettent 30 ans. Et on voit qu'on a une petite mission ici. Bah tiens, on va voir ce que c'est le... L'histoire, le script. Oh, la musique drama. Oh, le drama. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, Robert! Oh, c'est terrible. Ah oui, effectivement. Ah oui. C'est marrant parce que ça pète mais y a rien qui se casse en fait. C'est assez drôle. Oh, c'est trop bien fait. Oh, les effets de flammes et tout. Vite, patron, aidons-le à éteindre ses feux. Mais au fait, c'est quoi comme truc? Parce que c'est quoi ça? Ah, ils mettent pas ce que c'est. Et comment je fais moi pour éteindre ses feux? Ah ok, d'accord. Bon bah en fait Ok, bon bah en fait c'est une mission à faire quand on a fini le royaume. Ou alors si vous êtes un dieu. Ah bah non, je suis contre d'ici, ouais. D'ici je pourrais l'éteindre. D'ailleurs ça c'est sa baraque, je crois. Ah non, sa baraque elle est là. Ouais, le mec il est tranquille, hein. Il a sa petite baraque d'Inca en plein milieu de la map. Bah c'est tout à fait normal. D'ailleurs il faudrait que je pense à mettre quelques prestiges. Ouais, pas mal. Quelques lanternes pour éclairer tout ça là, parce que ça me paraît un peu sombre. Pas mal de vous se sont plaints que c'était trop sombre. C'est vrai qu'il faudrait... Je remonterai peut-être un petit peu le gamin, mais j'aime bien moi cette atmosphère rouge et très 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 sombre. Vu qu'on fait le mal, hein, autant on le fait pas à moitié, hein. Autant le faire... Ah bah tiens, voilà, ils se ramènent. Quoique je sais même pas s'ils peuvent passer là normalement. Ah si, peut-être là. Ah ouais, merde. Ah non. Même pas, c'est bon ça. Hey, vous avez les boules, hein. Bon bah on est tranquille pendant un moment. Oh, elle vient de se soigner. Ça fait un beau trait de lumière. Oh, on va essayer de faire un truc, les amis. On va essayer de faire un truc. Jeter de miracle météore. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh j'ai... Ah merde, non. Oh, je suis con. Ah si, j'en ai eu. Vous voyez, voilà, ça c'est le miracle météore. Bon, là j'étais un tout petit peu loin, mais si j'arrive à mieux gérer, là je peux me faire un bataillon comme je veux. Par contre, ça prend pas mal de mana, faudra faire gaffe. Pas trop l'utiliser. Enfin, bref quoi, faudra modérer, on va dire, son utilisation. Est-ce que je peux me faire un bataillon déjà? Eh ben oui, on dirait que oui, 55. Allez! Pourquoi je peux pas? Homme disponible. D'accord, attendez. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ah ok, bon, ah c'est peut-être, ouais d'accord, c'est peut-être la zone où je le fais. Bon bah c'est parti pour un premier bataillon. Let's go. Et on arrive à la fin de cette
vidéo, mine de rien, j'allais dire vidéo, je ne sais même pas pourquoi. Bref, cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content de reprendre. De reprendre les vidéos, même si j'ai, franchement, je suis très satisfait de la carte que j'ai. Ça me permet de faire des vidéos. Et là, pour vous dire, je suis en 60 fps. Alors que demande le peuple? Bon, je suis peut-être pas en full ultra, mais c'est quasiment full ultra. Qu'est-ce qui... Oh! Oh, 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 les mecs, on s'est mal compris là. Ha ha ha! Wouh! Yeah! Voilà! Ça, c'était magnifique. Ah, vous avez vu en disant... Ok, donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de reprendre Black and White 2. Et puis à vous aussi, j'espère. Sur ce, à la prochaine. Et elle vient de gerber en plus. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.